sécher les cours. On l'a tous fait. Moi aussi, on l'a tous fait. Non, t'es vraiment malade. D'accord. Est-ce que t'as ton carnet de correspondance? Super. Montre-moi-le. Très bien. Ok, alors je vais te prendre attention, tout simplement. Alors ça, c'est un esthéromètre. Ça prend attention. Et aussi la fièvre. Comme ça, on va voir si tu me mens ou pas. D'accord. Cette douleur, tu l'as depuis combien de temps? Alors, n'aie pas peur, ça fait pas mal. Tu vas juste mettre ton bras, fais ta main, et ça va calculer automatiquement ton pouls et donc ta fièvre. Si bien. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te donner un Doliprane. Il y a Retiradent. La pièce qui est juste à côté de toi. C'est un dortoir. Il y a plein de lits. Et tu vas t'allonger pendant que moi j'appelle tes parents. D'accord? Voilà. Comme ça, tes parents vont venir te chercher. Et en même temps, quand tu ressortiras, tu iras chez le docteur. Très important à ne pas oublier. Voilà. D'accord. Super. C'est vraiment chiant. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais dire que t'as mal à la tête, d'accord? Parce que histoire tu prends, on n'y croit pas. Voilà, je vais dire que t'as mal à la tête. Et repose-toi, d'accord? T'as sommeil? Ouais, ok. Vas-y. Ouais, Sophie.
Est-ce que tu connais le numéro de départ? Je t'écoute. 0N. C'est le 0, 1, 70. C'est de nettoyer la plaie. Approche ton bras. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Je vais. Montre-moi ton bras. Alors, dessus, il y a de la poudre rose, tu le vois. C'est de la poudre antidouleur. Donc, c'est un peu comme un anesthésien. Tu vas faire dessus et quand je vais passer sur ta plaie. Voilà, t'as vu, ça fait pas mal du tout. C'est fait exprès en fait. Ça fait pas mal. Et ça nettoie.
Sophie, je t'écoute. Solution, ça. C'est pas non plus la meilleure solution. Non, non, c'est pourquoi? Parce que bien que tu les as tapés, t'as l'histoire, le méchant, c'est toi. Alors qu'on est d'accord pour dire que le méchant, c'est eux. Le meilleur, la meilleure des solutions, c'est de les ignorer. Si t'arrives à faire abstraction de leurs critiques, alors ça pourra te rendre encore plus fort. Et si t'arrives à ton âge à surmonter de tels comportements, tu peux être sûr que plus tard dans ta vie, tu seras capable de surmonter des épreuves encore plus dures.
exclusion directe. Donc au final, fais ça. Et puis ils te feront plus chier, t'inquiète pas. Non, ça va, ton bout est correct. Et sur part du principe que les mecs qui font ça, c'est pas des hommes. C'est des enfants immatures, bien sûr. Insulter les autres pour exciter, c'est trop facile. Beaucoup trop facile. C'est pour ça que dis-toi que c'est des gens pas très intelligents. Donc de base, tu peux les surmonter. Et puis, s'ils sont convoqués chez le tribunal, chez le directeur, ils vont se calmer direct. T'inquiète pas, d'accord. Ouais. Mais sinon, la bagarre, ça s'est passé comment? Tu l'as mis KO. Énorme. Ah ouais. Un gros jet d'eau. Ok. Allez, tu peux y aller. Ciao. Et demain, plus, ça sera rien.
Ils arrêtent.